Get le muscle, get le muscle. Salut YouTube, j'espère que ça va. Bien sûr, je ne t'ai pas dupé. Aujourd'hui, on va parler de muscu et principalement de personnes qui arrivent à faire de la muscu partout, dans la rue. Le titre de la vidéo s'appelle comme ça, fitness de rue. On peut appeler ça le fitness de rue. On va voir ce que ça donne. Je suis tombé complètement par hasard sur cette vidéo. On va essayer de se motiver à faire de la muscu un peu partout et suivre leurs conseils. Parce que vous avez bien remarqué que les miens, faut pas les suivre. Allez, c'est parti. Il fait trop froid pour s'entraîner dehors. La petite bande part frimer dans le métro. Ils utilisent les barres pour faire des exercices de force très acrobatiques. Ah putain, ça commence. Ok, c'est donc ça le fitness de rue. C'est faire du sport vraiment partout. Et à des endroits, c'est pas forcément voulu, tu vois, enfin, je l'avais pas vu, attendez. T'as ce genre de personne aussi qui veut juste rentrer chez lui après sa journée au taf. Et t'imagines, t'es là, t'es tranquillement assis dans le métro. Et t'as le frérot au-dessus, avec ses grosses veines dans le cou là, en train de transpirer là, comme ça. Ah là, super. Super, Seb. Devant des voyageurs médusés. Okay. Après, c'est cool à regarder. Leur plaisir, faire le spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, monsieur, là, frappez pas votre pote comme ça, là. Non, c'est du fitness de rue. Elle, plus tard, elle va voir quelqu'un vraiment se faire frapper dans le métro. Elle va dire, ah, bravo, belle expression, belle performance. Bravo, le fitness, tout ça, j'adore ça, bravo. Continue ainsi. Et exhiber leur musculature. Voilà. Bon, ça calme. C'est du béton. Nabil, 22 ans, et ses copains. Ah mais frère, non putain. Mais moi je veux des gars comme ça dans le métro à Paris. Je les imagine dans des situations où ils sont pas là pour faire de la muscu. Ah, le contrôleur même pas il vérifie, hein. Il s'est dit... Oh pardon, j'ai cru voir des personnes sans ticket, non en fait c'est des drapeaux. Excusez-moi, j'ai mal vu. Frérot, tu peux voir, je pense que j'ai fait tomber mon téléphone, tu peux regarder s'il te plaît? Nabil. Oh tout va bien mon ref, y'a rien, tu l'as pas fait tomber, il est pas là. Il 22 ans et ses copains sont des adeptes de street workout, la musculation de rue. Non mais non, mais stop, stop. Stop les gars. Oh putain mais j'ai chaud là déjà. Oh, je suis obligé de mettre de l'air compressé là, qu'est-ce qui se passe? Belle performance hein, artistique, moi j'adore franchement. Je veux que ces gars m'empêchent de prendre l'escalator pour faire ça. C'est quoi? On m'a toujours dit de se mettre à droite là pour laisser passer les gens à gauche ou l'inverse, je me souviens plus. Pourquoi on ne demande pas voilà, de se mettre accroupi pour que tes gens passent comme ça au-dessus de nous? Ils sont trop forts. J'aurais aimé la première fois que je viens sur Paris, j'aurais aimé voir ça. Montre-moi le métro s'il te plaît. J'adore. J'adore encore, s'il te plaît. Le principe? Utilisez tout ce qui est à... Oh là là. Oh, ils indiquent le vent en même temps. Tu peux savoir, avec eux c'est facile. Hein. Tu passes comme ça dans la rue, tu les vois comme ça. Tu sais s'il y a du vent ou pas. Notre but dans la vie, c'est d'être un drapeau. Pour faire de la gonflette. Faire de la gonflette? Frérot, ça c'est pas de la gonflette. Ça, faire ça, frérot, c'est pas... Il faut énormément de force et de, je sais pas, de gainage, j'en sais rien, mais c'est pas de la gonflette. Gonflette. Waouh. Et être le plus créatif possible. Drapisme, ça s'appelle comme ça. En banlieue, ce sport pour le moins économique, avec lequel on peut rouler des mécaniques, est l'objet de toutes les surenchères. C'est quand qu'il arrive mon bus pour la gare, s'il vous plaît? Vous savez à quelle heure il arrive le bus? Ah mais c'est bien. Ouais, non, ça, ouais, niveau sécurité là. Un spectacle capable de séduire le grand public. Ce groupe lyonnais de street workout est arrivé jusqu'en finale. Ah, alors là, moi je veux bien aller faire mon service militaire. Bravo. Attendez, on vous a pris en photo là. Mes Wati BG abonnés là, on vous a tous pris en photo. C'est vous là, non? Pouce bleu si c'est vous, hein. En à peine quelques années, des compétitions internationales se sont même montées, comme ici à Riga en Estonie. Cette pratique sportive a beau venir de la rue, elle nécessite une discipline de fer. Ah ben non, ben, pas tout le monde peut faire ça, ça c'est sûr. Quoi? Waouh, wow, c'est quoi cette sorcellerie là? Mais c'est pas possible ça. Ça s'arrête plus. Y'a plus besoin des mains pour faire des tractions, ni des jambes. J'ai un crâne qui continue un peu derrière là. Je pourrais caler une barre, j'essaierai plus tard. Mais à tout moment, je m'arrache le cerveau. Il est 7h du matin et Nabil, l'athlète du métro, est déjà déchaîné. Il est chaud. Devant son frère, avec qui il partage sa chambre. Attendez, tu peux me laisser regarder Netflix s'il te plaît? Il est 7h du matin, arrête avec tes pompes là. Ce fils d'ouvrier qui fait des études supérieures en mécanique se rêve en grand champion de workout. Il a modifié son régime alimentaire et privilégie les protéines dès le petit déjeuner. Pour reprendre l'énergie. Ah, l'énergie là. Alors plus jamais des bruits comme ça là.
Ce parc, à La Courneuve, ils y viennent tous les dimanches, quel que soit le temps, s'exercer pendant 2 heures. Quoi, il y a ouais, en plus, ça fait des économies. Mettez des manteaux, il neige. Non, vrai bonhomme, mais pas de manteau. Vrai bonhomme enlève sa peau et la pose à la maison pour aller faire du muscu dans la forêt enneigée. Le but, c'est de toujours inventer de nouvelles figures. Sans entraîneur, ils y vont à l'instinct. Beyblade. C'est parfois raté. Quand la caméra est dégainée, c'est le moment de créer une image saisissante et faire la différence. La sur caméra Internet. Tourne à poil, c'est parti. Leur torse nu dans la neige devrait attirer l'œil. Dans le quartier jamaïcain le plus défavorisé, Hannibal, 36 ans, n'a pas toujours été un enfant de cœur. Il multiplie les mauvais coups et ça lui vaut de passer une année en prison. Il fait de l'exercice dans la cour de promenade. C'est là que tout a démarré. Il y a des échelles de singes, des barres parallèles, des bancs un peu plus loin. Il y a tout pour faire du sport ici. Il y a beaucoup d'installations comme ça dans la ville ? Oui, c'est le cas. C'est de cette façon que la mairie occupe nos enfants. En fait, ouais, t'as que les parents qui sont ici, là. T'as que les darons qui font des grosses tractions alors que les gamins, ils s'amusent sur la pelouse derrière. À longueur de journée, ils s'entraînent sur ces jeux et se sculptent un corps phénoménal. Alors attendez, j'ai pas compris le principe du jeu là. Je vois pas le... À quoi ça sert là ? C'est quoi le jeu ? C'est pour les gamins ça ? Ils ont dit tout à l'heure non ? C'est pas des jeux pour les enfants ? Ces images datent de 2008. La machine ! L'année où il va poster une vidéo sur YouTube qui va faire le tour du monde. Sa musculature fascine et surtout, il exécute avec une aisance déconcertante des figures très difficiles. C'est au début de YouTube, ça, comme je le drapeau humain, où il tient à l'horizontale, comme sans broncher. Drapisme, on rappelle. Au fil de ses contrats, il gagne 50 000 euros et il lance même une ligne de vêtements de sport. Bien. Alors attendez, parce que je suis plutôt bon en anglais. Vêtements de sport. Sport, oui, c'est ça, sport, c'est ça. Ouais. Vêtements de sport, ouais, c'est bon. Des gens vont sûrement trouver que la capuche couvre trop le visage. Mais je dois t'avouer il a fait des vêtements pour Ziak, c'est ça. C'est sympa, que je c'est préfère comme... Dans la banlieue de Lyon, à Saint-Priest. Bonjour. Agnès Membley croit pouvoir aider les élèves de ce lycée sensible. Ah, franchement, si on m'avait proposé ça au lycée, je serais chaud. Il y a un truc que j'ai perdu entre-temps, en fait, c'est la motivation. Donc voilà, si vous retrouvez de la motivation, n'hésitez pas à me la rendre. Body Art, qui a brillé à la télévision. Ah, du coup, ça, à Lyon, c'est ça. C'était très intense, hein, mais on est arrivé au résultat. Athlète de rue. Un prof l'a fait venir avec deux de ses gros bras. Sans argent, rien qu'à force de volonté, ils y sont arrivés. Attention, on va avoir un cours de drapeau. Prenez note, hein, prenez note pour faire du drapeau. Important, si vous voulez rejoindre ce mouvement. Inconsciemment, que en partant de rien, on peut arriver à quelque chose. Vous pourrez représenter n'importe quel pays, hein. Vous, ce que vous voulez, tant que vous faites le drapeau. En position pop, tout le monde. Position pop, je vois personne debout. Wow, c'est militaire. C'est pas censé faire rire. 1, 2, 3. Voilà. Wow. Le professeur qui les a fait. Voilà, comme ça, dès le premier jour, vous faites. Attendez, dès le premier jour. Oh, il y a des mentons qui ont dû toucher le sol là. Oh, les mentons explosés. Tu fais pas ça one shot, mais moi je l'ai pas tenté. Venir a un peu de mal à suivre. Ça va, Christophe. Christophe, réveille-toi. Christophe, il répond plus à Christophe. Il vient de se cogner la tête en faisant une pompe claquée. Ben oui, bien sûr, attendez, on voit là. Le professeur qui les. Tiens, Christophe, là, t'as fait quoi ? Il a fait venir, a un peu de mal à suivre. Il saigne de la bouche, Christophe. Il vient de se cogner la tête en faisant une pompe claquée. La musculation de rue va peut-être finir par rythmer leur vie. Comme pour Nabil. Et sa bande, ah, les Bar Tigers. On voit les 5 fantastiques. Quand deux bandes de cités s'affrontent ici, c'est très tendu. Mais aujourd'hui, là, ils se réunissent en traction, une petite compétition amicale. C'est bien que ce soit comme ça. Allez hop, c'est parti. Hélicoptère, hélicoptère. Hélicoptère, hélicoptère. Et dès le départ, Nabil est mis sous pression par un pionnier de la discipline, également rappeur, MC Jean Gabin. Je connaissais pas ça, MC Jean Gabin, fit MC Mozart. Ah oui, on a tout, on a MC Charles Aznavour, il y a du monde aussi. Handicap. C'est ça ! Il est là ! La vraie compétition nationale. Ah, il est tombé dans les pommes, Réveillez-le, réveillez-le. Là, je le vois qu'il voit plus très bien là. La là, vraie compétition. Regarde dans le vide. Il s'est éteint, juste pour faire 4 tractions, il s'est complètement éteint. En France, les quelques milliers de jeunes qui pratiquent de manière intensive le street workout rêvent maintenant que cela devienne
une discipline olympique. Bah c'est lourd, en vrai c'est grave lourd. Comme truc de faire un peu de la muscu un peu partout dans la rue, tu gênes personne, t'es là, tu fais tes pecs, tu fais tes biceps, tes triceps, tu fais tout, sans gêner personne. Mais ah, putain, c'est dommage, je pensais que j'allais faire plus de... Je pensais que j'allais faire plus de choses comme ça dans la vidéo. Ah ça m'a manqué là, c'était bien un peu partout dans nos régions et tout, avec les regards de chacun. Attendez, elle est où l'autre? Ça manque un peu de ça, mais au moins on en sait plus sur la discipline. Franchement, c'est grave bien. Moi, je suis totalement pour ça. Il gêne personne à faire un drapeau partout. En plus, c'est cool, on peut voir des drapeaux. Il est reparti chez lui avec des gouttes de sueur. Là, juste là, c'est tombé juste sur son crâne, là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de faire les drapeaux. Et si vous pouvez pas faire le drapeau et que vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, laissez un drapeau en commentaire. C'est possible. Faites-le. Au revoir. Barrez-vous.